Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouveau récap des play-ins, le dernier récap des play-ins de l'histoire. Mesdames et messieurs, ça y est, puisqu'en réalité, les play-ins, c'est la dernière édition de l'année, et donc, enfin de l'année, de l'histoire, puisqu'après, il n'y aura plus de play-ins. Les équipes seront décidées avant les Worlds, et donc, on va savourer ça en regardant cette dernière journée avec des matchs qui, ma foi, avaient l'air plutôt intéressants quand même. En tout cas, mieux que le jour d'avant, ça c'est sûr. Là, j'avoue que, comme je vous l'avais dit dans le récap, je vous avais un peu menti sur celui-là. Par contre, sur cette journée-là, il y avait quand même pas mal d'épices, on va dire. Donc, notamment, du coup, c'était une journée très importante puisque l'équipe qui perd est éliminée des Worlds, l'équipe qui gagne passe en ronde suisse. Voilà, c'est vraiment la dernière journée. C'est tout ou rien, on va dire. Et du coup, on avait les Pain Gaming, le seed 1 brésilien qui affrontait les Rainbow Seven seed 1 des LLA, donc de l'Amérique latine. Et de l'autre côté, on avait le PSG Talon, les PCS, contre les 100 Thieves, le troisième seed américain. Et donc, on va commencer par, mesdames et messieurs, le premier match entre les Pain Gaming et les Movie Star. Alors, donc, les Pain Gaming, on avait dit, franchement, de mieux en mieux. Franchement, ils s'en sortent. Ils sont perdus de peu contre le PSG, en vrai de vrai. Et derrière, ils ont gagné de manière assez convaincante contre les Vikings. De l'autre côté, les Movie Star, ils sont plus dans une pente descendante. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à gagner, à accrocher la victoire contre les 100 Thieves. Et derrière, il s'était fait bien climatiser par gamme. Genre, waouh. C'était... Oui, non, il y avait une petite différence. Du coup, pente ascendante pour Pain Gaming, pente descendante pour Movie Star. Normalement, il y avait moyen pour les Pain Gaming de faire un truc et d'arracher ce slot aux Worlds, aux pauvres Movie Star qui étaient passés pas très loin de récupérer, on va dire, leur site pour les LA pour la première fois de leur histoire. Donc la game 1, mesdames et messieurs. Avec une draft proposée, d'ailleurs je peux la regarder là tout de suite. Alors on se retrouve donc avec une composition que je peux qualifier de classique Pain Gaming. C'est-à-dire on prend une botlane qui snowball avec le Lucian Nami, on prend Dean Kuedo, on le met sur Harry pour que comme ça il fait ses trucs là de son côté. On a Wither qui va casser la gueule à des gens avec son Jax et derrière Karioke du coup. Je suppose, parce que maintenant que j'ai entendu les autres gens qui prononçaient, je suppose que c'est Karioke, qui va, lui, essayer de jouer l'ambulance avec son Maokai. Et de l'autre côté, on a Summit qui est mis sur Xanté pour une raison que j'ignore. Audi qui se met en jungle avec Poppy qui est pas dégueu. D'autant plus que contre la composition en face, ça va être très très utile. Donc très très bon pick de Poppy ici. La Syndra qui est, je pense, aussi un bon choix, d'ailleurs. Je me pose la question, il n'y avait pas de Jarvan? Non. Je me dis qu'en vrai, il y avait moyen que ce Maokai soit un Jarvan et que ce soit une meilleure idée parce que pour le coup, on n'a que des pics statiques. Et même s'il se fait un peu casser la gueule par Poppy, en fait, derrière, il est trop utile avec pour mettre des ultis sur Xayah ou sur Syndra, mais bref. Et derrière, du coup, c'est Xayah Rakan. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a Xayah Rakan en 2024, mais d'un autre côté, je sais pas non plus pourquoi on a du Lucian Nami. Donc finalement, je suppose que ça s'équilibre. Mais ouais, les botlanes sont très... pour ce qui est de la game, c'est la seule game que je vais genre découvrir en même temps que je vous la résume, parce que j'ai commencé à regarder la journée des Worlds à la deuxième game, donc on voit un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, en fait, je pense que je viens de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que c'est un peu complexe cette game pour les Pain Gaming. En gros, on est à 23 minutes 36 et il y a littéralement un Kaggle d'avant pour les Rainbow Seven. Sachant qu'en face, on a quand même, du côté des PN Gaming, une composition qui a quand même besoin d'être un peu devant, avec le Lucian Nami et avec la Harry pour servir à quelque chose, parce que Jax tout seul, il ne peut pas réussir à gérer tout ce qui va se passer en face. Et en fait, on a tellement de getback du côté de Rainbow Seven que je ne sais pas trop quand est-ce que la composition PN Gaming va s'activer dans la partie. Je pense que là, ça va être compliqué. En plus, on a Kane qui arrive à faire des trucs de fou, là, il a 2k gold d'avance. Donc, le point de friction, le point de bascule, on va l'appeler, de cette game, ça va être à la 24e minute, du coup, lors du troisième Drake potentiel pour les Rainbow Seven, donc le soul point qui est pas mal, et qu'il faut donc essayer de contester pour les Pain Gaming, même si je pense qu'ils auraient pu attendre un peu, mais de toute façon, ils sont sur un timer, eux, de toute façon. Et du coup, donc, la position qui est récupérée par les Rainbow Seven, et donc eux, ils sont à peu près dans leur position de prédilection, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent l'engage au lieu de la provoquer, ce qui est une très bonne idée pour leur composition à eux, puisqu'ils ont quand même, avec Xayah, avec Poppy et avec Syndra, des grosses capacités de défense. Donc là, on est parti pour une disaster class. On a un ultime Maokai qui sert pas forcément à grand-chose, on a Dinkodo qui tente,
de faire un combo, mais il tente un combo sur la Poppy Jungle. Il va se faire presque casser la gueule. Normalement, avec le Jack, c'est bon. Ok. Donc, le jungler est mort. Déjà, c'est pas mal. Ok. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus tanky, mais tranquille. Le truc, c'est que là, on a... Alors, comment est-ce que Titan s'est retrouvé dans cette situation? Ok, il a tenté une culling pour essayer de tuer la Poppy, mais il a... Attends, c'est ça, on est d'accord. Il a tenté une culling pour tuer la Poppy, mais derrière, il a fait « Wow, j'avance, on sait jamais. » Et là, derrière, le Rakan s'est retourné. Flash in the kin, il l'a one-shot. Genre vraiment, Q-spell ulti. Ok. Du coup, un partout dans le fight, mais perdre la Poppy, c'est... même si dans les fights objectifs, c'est chiant. Dans un team fight, c'est genre ok par rapport à perdre genre la décarry principale quoi. Par contre, on a Wither qui se retourne sur CEO qui du coup met son ulti et effectivement, comme on l'a dit, le problème c'est que Jax, même s'il est pas très fort en late game, le problème c'est que il a tendance à se faire climatiser lorsqu'il a pas mal de get back et Taya, c'est difficile de faire mieux en termes de get back. Du coup, ouais, il peut pas forcément atteindre CEO et derrière Summit, c'est le show Summit, mesdames et messieurs. Il est intuable. Bien, évidemment, on a enlevé le Lucian et donc forcément, notre ami est intuable. Et derrière, regardez-moi ce que le stun de Kin là qui va arriver, attention. Schlack ! Voilà. Donc on a repoussé Wither et double stun derrière sur Dinquedo et sur Curry et derrière, magnifique, Summit qui peut enchaîner. Et ouais, on n'a pas forcément pu faire grand-chose du côté de PN Gaming, mais c'est surtout, je pense, dû à la composition. Le problème avec la composition des Pain Gaming, c'est qu'ils sont obligés d'essayer d'accélérer dans les 20 premières minutes, parce que s'ils se retrouvent à égalité de gold à ce timing de la partie, bah c'est finito. Et ça peut presque ce qui s'est passé. Pourtant, ça avait quand même pas mal commencé hein, avec la Poppy, mais ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Et j'aime beaucoup ce masque abyssal pour aider un peu la Syndra à faire des dégâts, même si ça aurait été mieux d'avoir au moins un... C'est un peu le fight de la bascule, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous le voyez avec le time stamp, mais effectivement, on est dangereusement près de la fin de la game. Donc ouais, alors on a le push du coup, Nashor, instantanément, de Rainbow Seven, qui récupère tour à tour les T2 top et mid. Et derrière, qui vont ouais, se précipiter sur la T3, parce que c'est un peu compliqué de défendre ça, puisqu'on a Jax qui essaie de speed push de son côté. Voilà, tranquille, ils avancent, ils pètent l'inhibiteur, il n'y a aucun problème. Summit se fait un peu casser par... Il se fait un peu taper, mais bon, enfin, vous voyez qu'il va plutôt bien, le ref. La ultinami qui est censée faire un truc, et derrière, magnifique Lyonzan. Magnifique engage de Lyonzan. Je suis très très fier de notre ami. Regardez-moi ça. Wow, ulti flash. Il peut rien faire, magnifique, bravo à eux. Parce qu'on prend barrière au lieu de partir sur Cleanse, et du coup on se fait casser la gueule. Et même si le Jax speed push comme il peut, là malheureusement il faut revenir très vite et ce sera pas suffisant d'une Kodo qui va se faire atomiser. Ouais, cette Syndra est hors de contrôle. Et je pense pas que Kin va retrouver sa Syndra du BO. Et derrière, c'est assez facile de terminer la game du côté des Rainbow Seven. 1-0, assez facilement récupéré. Alors, la deuxième game. Alors, on va repartir exactement. On prend les mêmes et on recommence hein, du côté de Pain Gaming. C'est juste qu'on change les bans. Du coup, la Syndra va être bannie en première rotation avec la Leblanc aussi. Donc, on a clairement montré que... Enfin, oui, c'est ça. On a clairement montré que Dinquedo était un peu le maillon faible, on va dire, de la composition des Pain Gaming. Et du coup, le but... C'est bien évidemment de target ban notre ami Kane pour pas qu'il commence à faire trop de bordel. Et du coup, on se retrouve avec une composition assez similaire, puisque bah, on a 4 sur 5 qui sont les mêmes. Et on a remplacé le Maokai par la Sejuani. Je suis encore une fois pas très très fan speak de Sejuani, parce qu'encore une fois, on se retrouve dans une composition où en vrai, avoir un Jarvan là, contre le Huey et contre la Xayah, ça aurait été quand même pas mal stylé. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que là, à la limite, là, c'est Giovanni, on va dire qu'elle n'est pas autant dépendante de son dash. Mais disons que l'engage peut être assez facilement évité par notre ami CEO avec juste un outil. De l'autre côté, bah, ça reprend sur à peu près les mêmes. Sauf que du coup, à la place de la Syndra, on est sur un Huey, hein, qui n'est pas forcément un downgrade, selon moi. C'est juste qu'effectivement, il a tendance à être plus orienté sur le poke et moins sur le défensif. Donc c'est potentiellement une composition un petit peu plus vulnérable que celle des Rainbow Seven. Donc on va voir comment est-ce que ça a influé sur la partie. Alors, du coup, avant le teamfight qui va créer la bascule, qui est encore une fois le troisième Drake, mais cette fois-ci le troisième Drake pour les Pain Gaming, on peut se dire que l'early game s'est quand même un peu mieux passé, même si on est toujours en dessous, on va dire, de ce qui est nécessaire, on va dire, pour que cette composition fonctionne réellement du côté des Pain Gaming. On va dire que là, on a une composition qui fonctionne un peu plus. Déjà, il n'y a pas de cagole sur Kin par rapport à Dinquedo. Déjà, ça fait du bien. On a réussi à récupérer pas mal de kills du côté de ce dernier, ce qui est cool. Et on a 1,5k gold d'avance pour le Lucian Nami qui fonctionne un peu mieux du coup cette fois-ci, ça c'est sûr. Surtout avec les 60 creeps d'avance.
Donc là, normalement, c'est pas mal. Il y a aussi 900 gold sur la top lane, ce qui fait que le Jax va probablement arriver à son breakpoint un peu plus rapidement, même si là, pour l'instant, il n'a pas forcément le ton d'items. Voilà, donc là, normalement, c'est le Drake des océans. On est obligé d'essayer de le contester du côté des Rainbow Zone. Si on n'est pas vraiment obligé de le contester, pour être honnête. On pourrait attendre 5 minutes et jouer pour l'âme. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient pas récupéré Drake en early fait qu'ils sont un peu plus dans la merde qu'avant. Et du coup, là, on va se retrouver dans une situation où ils arrivent dans la position du côté des Rainbow Seven. Ils arrivent à, on va dire, envoyer Karaoke très très loin dans l'espace. Lyon, ce qui se fait quasiment tuer. Mais il arrive à s'enfuir. Et derrière, la question, c'est comment est-ce que le Rainbow Seven arrive à s'extraire? Parce que le but, c'est juste de s'extraire à partir de ce moment-là, parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Comme c'est que Sio, il est très très bas sur la lane, comme vous pouvez le voir ici. Il y a les rails qui chargent, à la limite on s'en fout. Et derrière, c'est quoi? C'est le flank de Dinquedo qui passe. Oui, c'est ça, c'est le flank de Dinquedo et de Wither qui arrive et qui bloque un petit peu la retraite des Rainbow Seven. Après, ils sont très très isolés, on va dire. On a Summit, Sio et derrière tout le reste ici. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas forcément rester dans un bloc et empêcher les engages. On a Dinquedo qui se fait un peu, bah voilà, ulti royé, on va dire. Mais King, qui, du coup, comme vous pouvez le voir, une fois qu'il a son ulti d'utiliser, il n'a pas forcément tellement de composantes défensives que ça. Et du coup, quand il se fait coller par un Jax, c'est plus compliqué pour lui de lui dire d'arrêter de jouer, on va dire, que si c'est une Syndra qui peut lui balancer un stun instantanément, quoi. Une dispersion d'effet, on va dire. Et du coup, ouais, ils arrivent à obtenir du coup la mort donc de Sio et de Kayn, du coup, qui... Enfin, Sio qui n'avait pas forcément pu s'enfuir après et qui s'est fait, on va dire, rattraper par le reste des membres de Pain Gaming. Et derrière, c'est le Nashor. Donc c'est assez compliqué de contester le Nashor en 3v5, sachant que les deux carrés principaux sont partis. Du coup, Dinquedo qui va juste rester là pour empêcher un petit peu les gens de jouer. Odi qui n'a pas de flash et qui ne veut pas charger son flash. Et du coup, voilà. Nashor récupère du côté des PN Gaming, c'est pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé en termes de rotation ici, parce qu'on n'a pas de sbire. Est-ce que c'est Dinquedo qui a réussi à péter la wave? C'est ça qui s'est passé? Non, même pas. Non. Ouais, c'est ça, c'est tellement loin. Du coup, ils sont obligés de back, mais ils back trop tard. Du coup, ils perdent la T3 bot et quasiment la T3 mid, mais pas... Enfin, si c'est bon, ça va. Le prochain push, ils le font. Dinquedo qui s'avance un petit peu trop, mais normalement, ça va. Non, ils vont attendre. Ok, très bien, parfait. Donc, ils récupèrent l'âme... pas l'âme. Ils récupèrent le troisième drake des océans, donc c'est pas mal. Derrière, ils essayent d'obtenir ce mid en cache qu'ils vont réussir à faire. Ok, pas mal. Et du coup, ils vont utiliser le fait qu'ils aient réussi à catch ce mid pour récupérer du coup la T3 mid et les deux inhibiteurs. Donc là, normalement, on est dans une situation de quasi échec et mat. Ils ont récupéré une tour à l'une Nexus, mais je crois qu'ils vont pas. Voilà, ils vont pas. Voilà, ils vont se calmer un petit peu. Ils vont pas y aller à fond. Ils vont attendre le Nashor dans 40 secondes. Ils vont y aller. Et d'ailleurs, au lieu d'y aller directement, ils vont, si je me trompe pas, essayer de catch les Rainbow Seven. Ils le lancent comme ça, mais ils le lancent pas totalement. Vous voyez, il y a Dinquedo et Wither qui sont un peu tapis dans l'ombre. Ils vont attendre que les Rainbow Seven s'avancent, et derrière, oh putain, ce mythe là qui prend quand même vachement plus cher avec genre quelques auto-attaques avec la game d'avant. Sio qui est déjà mort dans le teamfight avec un ulti et son flash et qui est juste à côté d'un Jax. Allô? Allô monsieur? Sans vouloir vous vexer, je crois qu'il y a un Jax en fait. C'est... On a l'impression qu'il le voit up en fait. On a l'impression... Il l'a eu... Ah ouais! Ah c'est... extrêmement... Ah oui, c'est pour stun les gens, c'est ça? Ah ouais, ah oui, parce qu'il n'a pas réussi à stun Wither. Il voulait peut-être le mettre le 3 dessus, mais c'est... Oui, non, c'est assez inconscient comme risque, mon ami. Et du coup, effectivement, ça va. Wither qui est insopable dans le teamfight cette fois-ci, puisqu'il a beaucoup trop d'avance. Et du coup, ouais, c'est marrant de voir à quel point juste changer quelques pings dans une composition, ça rend la victoire un peu plus compliquée, même si je pense aussi que le setup... Le teamfight de Rainbow Seven était un peu plus mauvais, on va dire, que ça, parce qu'ils cherchaient pas vraiment à se battre, ils cherchaient juste à s'extraire. Et ils sont extraits de manière un petit peu fouillie, ce qui a permis, on va dire, au PNG d'accélérer la partie. Et du coup, ouais. Un partout dans ce BO avec quasiment les mêmes formations, la question c'est est-ce que la Game 3 va être à peu près la même chose. Rainbow Seven va décider de partir sur le Blue Side, cette fois-ci, par rapport au Red Side. Et surtout, on a King qui a réussi à récupérer ça le blanc, ok. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il voulait récupérer ça le blanc. Parce qu'en réalité le blanc n'est pas particulièrement champion intéressant dans cette méta en général, mais pourquoi pas. Le but c'est certainement de jouer sur la différence de niveau assez abyssale qu'il y a entre lui et la mid lane. Si j'aurais dit ça, c'est parce que dans la game vous allez le voir. Et derrière on a du coup une composition un petit peu différente où on n'a pas la Xayah Rakan, mais cette fois-ci Varus Nautilus qui est probablement là pour empêcher l'autre botlane qui est donc Kalista non ironiquement en 2024 avec Rell.
de, on va dire, être un peu trop oppressif et de casser un peu la botlane, on va dire. De l'autre côté, on a du coup le Wukong qui peut aider dans le teamfight avec un peu le tenté, mais j'avoue que je suis vraiment pas fan de la composition Pain Gaming. Pour moi, il n'y a pas forcément assez de dégâts et on va dire que si c'était pas le blanc en face et que c'était genre, je sais pas moi, un Yone, même si du coup ils l'ont banni, on va dire que je pense qu'il manque un peu des trucs dans l'autre côté aussi, donc... Les deux compositions ne m'enchantent pas particulièrement, on va dire. Mais ce qui ne m'enchante pas surtout, ça va être la phase de lane en mid lane, mesdames et messieurs. Et surtout ce qui va se passer. Donc, on a Kayn contre Dean Kuedo, vous avez vu, je vous l'ai dit, basiquement. C'est un peu la différence qu'il y a dans ce BO, la différence principale. Et du coup, ouais, la phase de lane, je vais juste rester là un petit peu de temps parce que ça a vachement conditionné la game. Je te rappelle que le blanc est quand même un personnage qui dépend énormément du fait de réussir à créer un snowball pour pouvoir tenter des one-shots. Donc, il y a évidemment... Kayn, il a besoin d'être... fort dans la game, et d'ailleurs ce qu'il arrive à faire avec des premiers trades très intéressant en utilisant le niveau 2. Il arrive à stack une wave, ce qui est vraiment pas dégueu, et derrière, voilà, Dean Kuedo il est un peu dans la merde, le pauvre, dès le début, on voit pas trop ce qui se passe, mais voilà, petit dash, petit proc d'électrocute, il est en train de brûler ses potions, Dean Kuedo, il a plus grand chose là maintenant, il est toujours mid-life. Kayn arrive à toucher absolument tout, ce qui fait un peu mal, mais voilà. On va dire que là, il n'y a que 5 sbires. La récupérer pour l'instant de la part de Dean Kuedo, ça fait un peu peur, là, mesdames et messieurs. Il va se faire reprendre par les supports, ça va être un peu humiliant, on va dire. Et on a Audi de l'autre côté qui commence à se dire, est-ce qu'on tendrait pas un truc, du coup? Je sais pas pourquoi est-ce que tu dis qu'il faudrait tenter un truc dans cette lane-là, alors que ton midlaner a l'air de très bien s'en sortir sans Watt. Donc ils vont tenter un tower dive, ok? Où ils vont foncer sur Dean Kuedo, ok? Kayn qui avance en melee range quasiment, et là, on a Problemo. Parce qu'en fait, on a Shen qui va être touché, donc c'est à peu près le pire moment possible pour Shen, puisque derrière, il va se prendre dans le channel time le charme de Dean Kuedo. Donc ça veut dire que simultanément, Kayn prend l'aggro de la tour, nous ne pouvons pas forcément proc sa marque, ce qui fait que c'est un peu chiant. Et il fâche trop tard, malheureusement, il a un peu de temps si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 frames. Ouais, on est à 183 millisecondes, on va dire, passé avant de flash. Ce qui fait que du coup, il se prend le dernier coup de tour qui le fait crever avant Dean Kuedo. Ce qui fait que du coup, Dean Kuedo récupère le First Blood. Et derrière, Karioke qui est là pour récupérer derrière le deuxième kill. Cody ne peut pas forcément se battre en niveau 1 contre un Wukong. Et du coup, là, mesdames et messieurs, Rainbow Cyan vient de ruiner une phase de lane qu'ils étaient en train d'exploser. Et notre ami Audi, malheureusement, qui a suragi dans un match-up où il n'avait pas forcément besoin de le faire. Mais après, on va dire que c'est aussi la faute de Kayn dans l'action. Donc, Mais du coup, le problème, c'est que même si, effectivement, il va y avoir quand même, au fur et à mesure de la partie, une avantage qui va se créer en mid lane, vous le voyez ici, on a quand même 400 gold qui se récupère, parce que franchement 46, bon, c'est vraiment chaud mon ref quand même, mais en fait c'est pas trop problématique, parce que même si c'est 300 gold en réalité, bon bah c'est pas suffisant, quoi. On aurait pu facilement avoir 700 ou 800 gold d'avance pour Kayn s'il n'y avait pas eu cette action, on va dire une fortunate en mid lane, quoi. Et là on a le team fight un peu complexe, donc ça c'est le team fight qui m'a achevé de me dire que quand même Kalista c'est pas ultra rien dans la méta en 2024. Donc on a une tentative d'engage de Audi qui est un petit peu bizarre, parce que tu essaies de tenter un engage sur une on a qui a flash et ulti. Alors après je pense que tu comptais sur le fait qu'il n'y ait pas le temps de réaction, mais c'est un peu trop tard quand même. On a l'engage de Curry qui est un peu tout seul, parce que Titan, lui, le problème c'est qu'il a quelqu'un à fuir, puisqu'il y a ce mid derrière lui, donc il va flash in, il y a flash out pour juste réussir à se positionner normalement dans le teamfight. Ulti qui va partir sur la Leblanc avec Dean Kuedo qui va donc quasiment réussir son ulti smite, enfin son ulti bisou. On y était presque. Hein. Et derrière, vous allez voir, hein, pendant ce temps, j'aimerais bien que vous regardiez Titan dans cette phase de jeu là. Donc là, auto-attaque, 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 auto-attaque. Wow, incroyable, ce mythe a littéralement les mêmes HP qu'avant. mais vous inquiétez pas, puisque derrière on a Wither qui c'était un peu le mec sus, c'était un peu l'imposteur dans cette game, je vais pas vous le cacher, parce que du coup là on se dit, ah pas mal, il a réussi à flank et il a réussi à isoler ce mid de le reste de son équipe. Le problème c'est que c'est Renekton en fait. Oh, le plus 400 d'HV et le Sterak qui pop. En fait non, c'est pas lui qui est piégé avec vous, c'est vous qui êtes piégé avec lui en fait. Et du coup, il va casser la gueule à Kalista, puisque je rappelle, comme on avait vu, que Kalista lui fait absolument aucun dégât, parce que c'est un super personnage. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais j'adore Rell aussi comme personnage. Donc ouais,
décidément, on a un peu la comp diff qui commence à se mettre en place du côté de Pain Gaming. Et là, bon, effectivement, c'était compliqué de s'enfuir. Du coup, premier race de la partie. 4 gaggles d'avance pour les Rainbow Seven. On se dit, ah, merde. Après, vous voyez un peu le timecode et vous vous rendez compte qu'en fait, on est quand même pas si proche que ça de la fin. C'est le teamfight à l'âme, mesdames et messieurs. Alors, qui va s'en sortir? On a le spam. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est ça, il a juste spammé les flèches. Ok, extrêmement bien. Il spam les javelots. On est obligé d'engage pour les Rainbow Seven, mais on le fait trop tard. Attends, il smite à combien, là? Ok, il smite à 2700. Ah ouais. Ah ouais, et du coup, il y avait absolument rien à faire. L'âme est récupérée, qui ne peut pas forcément faire grand-chose. Encore une fois, c'est ça le problème, c'est que c'est trop difficile de faire un impact en jouant le blanc, quoi. Regardez, le pauvre, il peut rien faire. Et ça fait 3 ou 4 teamfights d'affilée qu'il essaie de dash in pour faire un truc qui se fait instantanément des pop. Weezer qui malheureusement se fait un peu catch. La question c'est comment est-ce qu'on arrive à jouer du côté des Pain Gaming. On se disperse un petit peu, mais l'âme est récupérée, donc c'est pas mal. Le Nashor en face qui récupère du côté de Rainbow Seven. Et là c'est le push potentiel. Ok, ça y est, c'est le moment. Ils ont réussi à poser une ward du côté du Bush. Et du coup là, ça va être la téléportation derrière, dans le dos du côté de Weezer. Tio qui est tout seul, il a littéralement son père. Je sais pas comment on s'est retrouvé dans cette situation là, mais du coup le pauvre Tio, il est tout seul. Derrière, Weezer qui a un peu ses poux, le Zonia qui passe pendant le langage de Curry. Et derrière, c'est King qui se fait toucher là. Mais il se fait style dessus, wesh. C'est un dash in de Harry into flash out charm là. Oh, c'est sale. Ah, il peut pas jouer. Il peut pas jouer le pauvre. Et derrière, Sio il est tout seul, mais il se fait rapidement climatiser. Et derrière, il n'y a plus de dégâts pour les Rainbow Seven. Le mec qui veut pas forcément faire grand chose, il va réussir à récupérer elle, mais c'est pas suffisant. Le shutdown est pris, Ozzy pareil. Et du coup, ils vont push en bot side. Il récupère l'ace et c'est finito. Qualification finale de Pain Gaming. C'était pas le BO avec la plus grande qualité de gameplay de l'histoire, clairement. Mais c'est le principal pour les Brésiliens qui arrivent à se qualifier pour la ronde suisse. Et c'est une désillusion pour les Rainbow Seven qui avaient commencé en fanfare en récupérant cette win contre 100 Thieves. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à capitaliser contre les Pain Gaming. Et si le fait que la première équipe à avoir battu 100 Thieves dans ses play-ins n'est pas réussi à se battre, à battre les Pain Gaming, je ne donne pas forcément cher de la peau de notre ami 100 Thieves contre les PSG Talons. Donc le problème qu'on a avec ce BO là, c'est qu'il n'y a eu que 2 games. Donc vous savez très bien ce qui va se passer. On va essayer de savoir pourquoi ce qui va se passer, ça, on va dire. Donc déjà, vous voyez au niveau de la composition entre le PSG et les 100 Thieves que les 100 Thieves ont l'avantage de la range, puisqu'il y a le Varus et le Huawei. Ils ont la Renata pour disengage, techniquement, et on a le Renekton et la Sejuani pour servir de midship. Normalement, c'est une composition qui est plutôt défensive. En face, on a le Skarner qui veut foncer sur les gens, on a le Gnar qui veut foncer sur les gens, on a le Jhin qui veut aider les gens à foncer sur des gens, et la Orianna qui va suivre ce que les gens vont faire. Comme ils n'ont pas l'avantage de la range, le PSG, les 100 Thieves n'ont pas forcément envie de tenter quoi que ce soit dans la game. Ils ont juste besoin d'attendre de scale quelques items, et une fois qu'ils auront les items suffisants, ils pourront juste gagner, quoi. Mais le vrai problème que je vais avoir, moi, avec ce gameplay des 100 Thieves, c'est que vraiment, en termes de macro-game, je ne comprends pas leur prise de décision. C'est-à-dire que déjà, pourquoi est-ce qu'on décide de prendre l'Hérald spécifiquement, là? Pourquoi est-ce qu'on se dit on a besoin de prendre l'Hérald avec notre composition actuelle? On a le Gnar qui est tellement en avance sur le Renekton qui arrive à être en top lane, pendant ce temps, Renekton va devoir utiliser sa TP. Sur la position, on a que la bot lane, puisque le Roi, il a été forcé à back, donc il est pas là. Donc déjà, on est en 3v5, là, virtuellement, quand l'Orianna va TP, pour faire l'Hérald. Déjà, c'est mal parti. On a River qui va se faire go-in, déjà, on a l'ulti Jhin en même temps, et derrière, je me pose la question, en fait, c'est pas évident ce qui va se passer, il y a Azzy qui arrive là, parce que de toute façon, il savait qu'il était en top lane, Azzy, on savait qu'il allait quasiment arriver à son Mega Gnar. La téléportation, elle arrive que maintenant du côté de Sniper ou de Queen, c'est ça. Elle arrive que maintenant du côté de Queen. Sniper, il arrive pas à cancel la TP de Maple, parce qu'il est trop loin. Et derrière, regardez le stun, quoi. Enfin, il n'y a plus grand chose à faire. River, il se fait go-in, il peut pas forcément wedge. Tomo, il se prend instantanément le reset, mais... le Z de Renata, mais il peut pas forcément prendre de trade kill parce qu'il y a genre personne qui a pris de dégâts dans le fight. Renata a mis un outil pour crever, et derrière, Quid a le TP pour se faire aussi ramener. Et là, il y a 3 K-Gold à 15 minutes. C'est un quasi-ace. Je sais pas comment ça... C'est possible, en fait. C'est pas normal en termes de macro qu'on se retrouve dans cette situation là. Le problème c'est que ça va pas aller en s'arrangeant dans ce BO. Là c'est pareil, on a un play qui est fait là en mid lane du côté des PSG. On utilise le Herald du coup qu'ils ont récupéré pour faire une charge. Déjà on a mécaniquement quelques-uns, on va dire imprécisions du côté de Tomo, tranquille. On a la téléportation qui arrive. Junjia qui est en train de le 1v1, il le ramène derrière, il le fait tuer. Derrière il y a la double charge du Herald. Comment on se retrouve dans cette situation du côté de la Renata là? Et là qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il voulait revenir, mais
au lieu d'aller vers la droite, il décide de flank, mais il peut pas flank, ou il se fait stun, il doit s'enfuir, mais il y a l'Alistar qui arrive, donc il peut pas s'enfuir vers le bas, il se fait ramener, et oi, 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 oi. Et du coup, là, encore une charge, puis les dégâts, et puis ça stun, et puis en ulti, River, il peut pas jouer, il va crever, on récupère la tête mid, enfin genre, mais je comprends pas ce qui se passe, il y a 7k gold d'avance à 18 minutes, genre, il y a sur deux interactions, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas comment c'est possible en termes de macro de se retrouver dans cette situation-là, et derrière, pareil, River qui se refait catch, enfin genre, mais là, on va voir ça pendant toute la game. Ça, c'est là, on voit un teamfight comme ça, mais ça va arriver en boucle. Heureusement que la game va se terminer vite pour le coup. Ouais, ils peuvent pas forcément faire grand chose. Bah, le but, c'est de scale, mais genre là, Théma, vous avez déjà vous avez cassé votre potentiel de scaling. Il y a quasi 10k gold de retard à 20 minutes. Là, c'est illégal, là, c'est pas possible, on peut pas jouer. Donc là, ils vont essayer de voilà, ils vont essayer d'aller dans la jungle parce qu'ils voient qu'il y a un Ashor qui se fait. Il y a Tomo qui déward une ward tout seul. Tout seul. Il n'y a pas son support, il n'y a pas son mid laner, il n'y a pas son jungler. Non, il déward tout seul. Du coup, derrière, il se fait go in, il flash out. Mais il flash out pas vers sa team, attention. Non, 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 il faut qu'il flash out vers le haut. Voilà, comme ça, il est bien isolé. Et du coup, il meurt. Derrière. Oh. Oh, vas-y, en plus, Lutina. Eh, hey, les PG, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Ah ouais. Alors, en plus, il y a la TP, vraiment, ils meurent même pas une T1. On leur laisse même pas une T1, wesh. Les pauvres. Et ouais, du coup, là, bah, c'est Nashor. Mais là, la game est terminée. Là, on peut passer à la suivante direct, là. Voilà, il se fait ramener à... Comment... C'est possible de se faire ramener à travers le mur, comme ça? Et du coup, il le ramène, puis il le replaque à travers le mur. À travers lequel il est passé, du coup. Ah, peut-être que d'ailleurs, ça marche comme ça, normalement, d'ailleurs. Et ouais, bah, c'est ça. Quand le scanner, il peut se permettre de faire ça, et que tu peux pas le punir, c'est que, ouais, il faut raccrocher les crampons. Et normalement, bah, c'est la fin, hein, déjà, là. Hein. Ouais, hein. Tomo, il peut pas wedge, il a pas son flash. Gros ulti Jean, fait des dégâts parce qu'il est 10k gold en avance, et puis c'est fin de la game. Ah non, je suis vraiment désolé, si vous êtes venu pour ce match, ça va pas être drôle, hein. Je suis désolé, parce que, en vrai, c'est le plus drôle dans ce résultat, c'est le fait que les NA se fassent, genre, exploser la gueule alors qu'ils... Genre, alors qu'en vrai, leurs deux meilleurs sites sont bien, tu vois, c'est juste qu'ils sont là en mode bon lol, quoi. Mais ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Je sais pas si vous attendez un réveil d'Andretti, enfin, je vais parler de la draft, mais encore une fois, on est dans la même situation que la game d'avant, hein. C'est vraiment... On a Ziggs et on a Lilia, ok? Donc on a deux personnages qui scalent bien. On a le Aatrox derrière, pour wedge, dans les teamfights. Enfin genre, normalement tu scales pas mal dans cette composition. Alors en face, effectivement, il y a Yone, il y a Ezreal, il y a Rumble, mais genre t'as pas besoin de fight, quoi. T'as quand même l'avantage de la range, même contre un Ezreal, si vous voulez. Là, normalement, on devrait jouer de manière un peu plus standard. Hein. Et encore une fois, mais on est encore sur les mêmes erreurs. Genre, pourquoi on conteste les grubs, genre, à ce moment-là, la partie? Tu sais, il y a un first blood qui arrive. On se dit non mais vas-y on conteste quand même. Là on se fait go in. Là il se fait stun River. Enfin il est niveau 5. Yunja il... Oh, enfin en vrai Yunja vient de passer 6 pas que le... avec le Carapater mais... Du coup là... Ouais il se fait instantanément go in. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. On est en 4v3. Sniper il est même pas là. Genre... Pourquoi on conteste les grubs là? Pourquoi on conteste la vision dans les grubs? Le top laner il est en top lane. Il y a la wave qui est genre sous sa tour. Hein. Il y a les carrés qui font un 1v1 en bot lane là. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça là? On a littéralement des raptors, genre. On a autre chose à faire sur la map. On pourrait essayer de genre trade sur la map. On envoie le support et le jungler en bot side. Et on récupère le Drake avec le Ziggs. Incroyable, n'est-ce pas? On l'aide à push et ensuite on récupère le Drake. Je pense que ce serait une meilleure idée. En plus, l'habilité c'est quand même pas mal. Tout le monde l'utilise plutôt bien là dans Genratis. Donc. Je sais pas pourquoi on essaye de... C'est toujours contester les objectifs quand t'es dans une composition qui est pas aussi forte que l'adversaire. Je trouve ça vraiment bizarre, en fait. Et surtout, il y a contester les objectifs avec la composition, mais il y a aussi contester les objectifs avec la position adverse, quoi. Et du coup, le problème, c'est que là, alors, pour tous les Drakes que les Nantis n'ont pas contesté, celui-là, pour le coup, ils sont obligés de le contester. Donc là, c'est un peu la merde, parce que... Oh, non, mais vas-y, sérieux. River, il ne joue pas. Il a une espérance de vie en teamfight de 5 secondes. Et là, Mais il le voit, le Alistar. Il y a une ward dans ce bush. Il y a littéralement une ward dans ce bush. Il sait que le Alistar, il est dans ce bush. Il a une seconde d'expérience de vie dans un teamfight, quoi. Mais derrière, Quid qui arrive, et il peut pas venir. Et Sniper qui est tout seul. Et on a le language de Rel qui est 20 ans après. Et on a Tomo qui veut pas wedge. Et ils arrivent quand même à tuer le support. Quid a plus de jus, malheureusement. Sniper, pareil. Il n'arrive pas à reset son ulti. Ezreal est instoppable parce qu'il y a trop d'items. Et puis Tomo peut pas wedge. Et puis... Ouais... Mais ouais, enfin, c'est l'âme des Chemtech. Bravo. C'est pas si mal que ça. Hein. Ça y est. Non, c'est pas... Non, ça y est pas. Non, parce que derrière, en fait, le Rumble, il est bien, du coup. Et Maple, il l'a fait. Il a... Il a...
Il s'est retourné là. Il s'est retourné. Swing. Ouais, ok. Ouais, ok. Bah, y a trop de retard hein, pour être honnête à ce moment-là de la partie. C'est pas une histoire de bien jouer ou mal jouer les teamfights. C'est que là, y a pas grand chose à faire. Et là, Tomo, il est tout seul, le pauvre. Et du coup, c'est une fin de game. Triste fin pour les Hornet Thieves qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase des rondes suisses. Et les PSG qui sauvent les Pixem de toute la planète en allant donc enfin en phase de ronde suisse. Alors, donc, les NA pourront se réjouir en pouvant suivre les deux autres équipes qui vont jouer dans le système de ronde suisse qui aura donc déjà lieu dès jeudi. Donc, au niveau des matchs, je pense que c'est potentiellement parmi les meilleures affiches qu'on aurait pu avoir hein, au niveau des seeds. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos pick'em, mesdames et messieurs, d'ailleurs, pour cette phase de... On va pouvoir qualifier... On va choisir les 8 équipes qui seront toujours en lice. Attention, vous êtes prêts? Alors, ça... Hop, 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 hop. Et hop, hop. Voilà. Bravo. Ah oui, je me mouille énormément, définitivement, là. Incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mesdames et messieurs. Normalement, la vidéo sur le patch arrive dans pas très longtemps. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, tout le monde.